Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. En ce début d'année 2019, une excellente nouvelle pour la nature et notre santé, l'interdiction du glyphosate pour les particuliers. Ce n'est qu'un début bien sûr, puisque les particuliers ne représentent que 6% des utilisateurs de désherbants, le reste étant attribué à l'agriculture conventionnelle. Cependant, changer nos comportements, c'est également changer notre futur. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle? Par définition, un pesticide est un toxique, destiné à lutter contre un organisme considéré comme nuisible. Or, son action peut aller au-delà de l'organisme ciblé, parasite ou mauvaise herbe, et constituer de ce fait un risque théorique pour d'autres organismes, y compris humains. La question se pose d'autant plus que la France, grand pays agricole, en fait un usage massif, auquel il faut ajouter les usages domestiques. Au final, de nombreuses molécules actives se trouvent disséminées dans le sol, l'air et l'eau. Certaines peuvent y persister alors même qu'elles ont été interdites depuis des années en raison même de leur toxicité. Les études scientifiques ne cessent de démontrer régulièrement le danger du glyphosate pour la santé humaine, mais également celle de la nature. Pulvérisé pour supprimer les herbes indésirables, le glyphosate se retrouve après lessivage des sols par l'eau de pluie, dans les nappes phréatiques et termine dans nos robinets et dans nos corps. C'est bien pour cela que l'épandage de glyphosate dans le milieu agricole ne doit pas être effectué par temps de pluie ni par temps venteux puisqu'il est volatile et peut être respiré. L'année dernière, de nombreuses plaintes ont été déposées par la société civile via l'action d'Ariégeois sous la campagne « J'ai des pesticides dans mes urines et toi » pour des taux largement supérieurs à la normale détectée dans leurs analyses. Des groupes locaux ont même vu le jour pour tous ceux qui souhaiteraient effectuer des analyses et rejoindre le mouvement. Le cabinet d'avocats Tumerel de Montélimar a également déposé une plainte après avoir effectué le même type d'analyse sur l'ensemble de son équipe. Le principe de précaution doit toujours être supérieur aux intérêts financiers d'un grand groupe comme Monsanto, qui par le passé nous a démontré à quel point il avait la capacité de créer des produits toxiques comme l'agent orange dans les années 40, mais est également capable de financer lui-même des recherches pour contrôler ainsi les résultats ou bien encore créer de faux groupes d'agriculteurs dans 7 pays pour se prononcer en faveur du glyphosate. Avec ses méthodes de lobbying, il nous incite au contraire à être très méfiants. Pour information, le Roundup est une marque déposée par Monsanto, mais le glyphosate est la substance active utilisée dans tous les désherbants. En septembre de l'année dernière, un nouveau mouvement a vu le jour et a essaimé à travers la France. L'appel des coquelicots. Ce mouvement a pour but d'exiger l'interdiction définitive de tous les pesticides de synthèse responsables de la pollution de notre terre, mais également de notre humanité. Chaque premier vendredi de chaque mois, les coquelicots se réunissent devant leur mairie de résidence à 18h30. D'ailleurs, à Ribérac, le mouvement existe, vous pouvez les retrouver sur Facebook sous les coquelicots du Ribéracois. En juin 2015, Ségolène Royal avait souhaité l'interdiction du Roundup et par cette déclaration avait stimulé la vente de ce fameux produit. Pourquoi les particuliers se sont-ils bousculés pour faire leur stock en Roundup? Il ne s'agissait pourtant pas de Nutella. Tout simplement parce que notre perception et compréhension de la nature est complètement faussée. Notre envie d'esthétisme aseptisé et maîtrisé est en désaccord complet avec ce qu'est la nature. Si vous observez un terrain vierge pendant une vingtaine d'années, vous constaterez qu'une forêt s'y est installée. Voilà l'ordre logique et évolutif de la nature. Soit nous travaillons contre cette évolution de manière permanente, répétitive, coûteuse et destructrice, soit nous travaillons avec la nature. Alors pour tous ceux qui ne supportent pas la vue de la moindre mauvaise herbe,
terme d'ailleurs inapproprié lorsque l'on sait que l'ensemble des plantes qui poussent naturellement sont soit comestibles, soit des plantes faisant partie de la pharmacopée, il est peut-être préférable d'opter pour une vie exclusivement citadine et bétonnée. C'est un peu comme habiter la campagne et ne pas supporter le chant du coq ou celui des grenouilles près d'une mare. Heureusement, la nature est extrêmement bien faite et propose aussi des alternatives aux désherbants chimiques. L'homme, par son observation, est également capable d'apporter des solutions. En voici quelques-unes qui vous permettront d'entretenir votre jardin de manière localisée, bien sûr, puisqu'il ne s'agit pas ici de désherber l'ensemble de sa pelouse pour n'y voir que du gazon, mais maîtriser la pousse de certaines herbes indésirables. Tout d'abord, les feuilles, en paillage, sont excellentes pour désherber naturellement. Les feuilles de noyer ainsi que de rhubarbe possèdent une toxine appelée juglone, qui est un puissant herbicide. Broyez les feuilles et paillez l'endroit à désherber. Vous pouvez également utiliser une couverture de sol à base de paille qui évitera la pousse. Et oui, sans lumière, rien ne pousse. Et en plus, vous nourrissez votre terre. Des fleurs comme l'œillet d'Inde ou bien les tagettes patula sécrètent au niveau de leurs racines des substances herbicides et anti-chiens-dents. Vous pouvez également utiliser différents purins comme celui d'ortie ou d'angélique. Utilisez 1 kg de feuilles pour 10 litres d'eau. Laissez macérer 3 à 4 jours à une température de 18-20 degrés en mélangeant chaque jour. Filtrez et utilisez-le en pulvérisation sur les feuilles des plantes indésirables. Vous pouvez également agrémenter vos massifs de plantes couvre-sol qui empêcheront les indésirables de s'installer comme l'ajuga par exemple. Toutes ces solutions sont sans danger pour la nature ni pour l'homme. Pour votre pelouse, une tonte régulière au printemps avant que les indésirables arrivent au terme de leur reproduction, c'est-à-dire la graine, et vous les verrez disparaître peu à peu. D'autres alternatives existent comme l'eau bouillante de cuisson, le vinaigre blanc, le sel et j'en passe. Cependant, je les déconseille car la plante n'est que la partie immergée de l'iceberg. Et oui, le sol est composé de nombreux organismes vivants nécessaires à la fertilité et à la santé du sol, comme par exemple le ver de terre. Le désherbeur thermique, quant à lui, est encore un objet supplémentaire utilisant de l'énergie. Le désherbage manuel ou l'huile de coude sur de petites surfaces est un excellent passe-temps qui vide la tête et permet une connexion directe avec la nature. Alors oui, la nature croît constamment et peut parfois être agaçante, mais n'oublions pas que la respecter, c'est également nous respecter nous-mêmes. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super green! On sait green que ça peut être green! Green à la puissance des babosines! Green, green, green! Tu vois, meurs, tu vois le green, green absolument! Green, green!